Des présentations sont à faire. Depuis maintenant près de 6 ans, Jake Gyllenhaal file le parfait amour avec Jeanne Cadieux. Après avoir vécu cette belle idylle à l'abri des regards indiscrets, le couple a décidé d'officialiser sa relation. Le mardi 28 septembre 2021, à l'occasion de la projection du film The Lost Daughter, lors du 59e Festival du film de New York, l'acteur de 43 ans, que l'on peut voir sur Prime Video dès ce jeudi 21 mars dans le remake du film Roadhouse, dans le rôle d'un personnage autrefois incarné par Patrick Swayze, avait foulé le tapis rouge au bras de sa belle française. Mais qui se cache derrière cette belle brune au charme naturel qui était à ses côtés le 19 mars à New York lors de l'avant-première du long métrage dans lequel joue son compagnon. À 28 ans, la jeune femme est l'un des mannequins stars des agences Elite et One Management. Avec ses yeux noisettes et son 1,77 m, Jeanne Cadieux n'a aucune difficulté à crever les objectifs des plus grands photographes de mode. Dans son portfolio, la chérie du comédien américain a pu glisser de nombreuses couvertures de Vogue Australia mais également quelques clichés réalisés pour les pages du magazine Elle datant de 2017. Il faut dire que ses débuts de top modèle ne datent pas d'hier. En 2013, la jolie Frenchie foulait déjà les podiums des grandes maisons de haute couture. Avant de devenir le premier mannequin à défiler pour Jacquemus, Jeanne Cadieux avait déjà démontré tout son charisme sur les catwalks de Chloé et de Chanel. Très active sur son compte Instagram, sur lequel elle comptabilise quelques 40 600 abonnés, la compagne de Jake Gyllenhaal partage régulièrement des clichés de son quotidien à New York et ailleurs. Si la mode fait partie intégrante de sa vie, Jeanne Cadieux est une jeune militante. Lors des manifestations de Black Lives Matter, après le meurtre de George Floyd, la jeune femme avait participé à de nombreuses manifestations aux côtés de la Black Student Union. Lors de l'élection américaine de 2020, Jeanne Cadieux n'avait pas hésité à afficher son soutien à l'actuel président Joe Biden et à sa vice-présidente Kamala Harris. Et quand elle ne défend pas des causes qui lui tiennent à cœur, l'étudiante retourne sur les bancs de l'Université de Columbia. Stylée, brillante et engagée, Jeanne Cadieux semble être la femme parfaite pour Jake Gyllenhaal. Supérieure à supérieure a chopé le look de Jake Gyllenhaal, Jake Gyllenhaal prêt à devenir papa. Et si l'acteur du film La rage au ventre avait réussi à trouver la future mère de ses enfants? En 2015, Jake Gyllenhaal se confiait sur la paternité lors d'une interview accordée à Gala. J'adore les enfants. Je suis très à l'aise avec eux. Je le dois à mon père. Il passait des heures à jouer avec ma sœur et moi, déclarait-il. Même s'il était très proche de ses petites nièces, l'ex-compagnon de Reese Witherspoon ne se voyait pas encore endosser le rôle de père. Si vous rencontrez la femme de ma vie, dites-lui de patienter encore un peu, avouait-il avec humour lors de cet entretien dans nos colonnes. Plusieurs années se sont écoulées et l'acteur américain semble enfin prêt à écrire un nouveau chapitre. En couple avec Jeanne Cadieux, Jake Gyllenhaal se verrait bien fonder une famille avec la Frenchie. À l'antenne de Today, en juillet 2019, le comédien s'était montré très clair sur ce projet de vie, « J'espère devenir père un jour ». Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Grégory Pace, Shutterstock, SIPA.